Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo assez intéressante, en tout cas une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais qui est extrêmement importante. On va faire une vidéo warm-up. Alors c'est quoi une vidéo warm-up? C'est une vidéo où je vais vous accompagner pour l'échauffement. Comme font d'ailleurs les coachs sportifs qu'on peut retrouver sur YouTube qui vous font des séances, là on va faire une séance d'échauffement où je vais vous accompagner en temps réel, on va pouvoir le faire ensemble pour bien s'échauffer au niveau des mains. Vous allez voir, on va faire un exercice de 5 minutes, c'est vraiment la base de l'échauffement pour moi. Chaque séance devrait commencer par cet échauffement parce que ça va vous permettre de travailler votre frappe, ça va vous permettre de mieux jouer parce que plus vous allez être échauffé, plus vous allez être détendu, plus vous allez pouvoir frapper rapidement et de manière qualitative parce que c'est bien beau de jouer rapidement mais si c'est pour jouer tout crispé et ensuite se blesser, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Vous allez pouvoir retrouver la partition comme d'habitude dans les commentaires et dans la description. Aujourd'hui on va travailler les coups simples et les roulements. Vous allez voir qu'on va les exécuter de différentes façons, ça va vraiment développer la mobilité de votre poignet et c'est très important de toujours jouer détendu. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au point sur la tenue des baguettes avant de commencer, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet que vous retrouverez ici. Je vous conseille du coup de vous mettre derrière votre batterie ou derrière votre pad, vous me lancez la vidéo et vous vous laissez accompagner dans l'exercice. On le fait ensemble. Il va y avoir des moments où vous allez devoir jouer, des moments où je vais devoir jouer et des moments où on va jouer ensemble. Donc c'est parti pour l'exercice. On passe au roulement, deux coups de chaque main. 1, 2, 3, 4. Quatre coups de chaque main. Je vais m'arrêter de jouer, mais ça va être à toi de le faire. Attention, 1, 2, 3, 4. Je vais reprendre avec toi, 1, 2, 3, 4. On va faire chacun notre tour. Je commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on va changer, on va faire deux coups de chaque main et après on va passer en double croche, ça va donner ça, attention, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
toi. Droite, droite, gauche, gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Droite, gauche, 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 droite, gauche. On s'applique. Droite, droite, gauche, gauche. On va faire la même chose, deux coups de chaque main. 3, 4, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite. Toi. Un, deux, trois, quatre, un et deux et trois et quatre et un, deux, trois, quatre, un et deux et trois et quatre et. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à y revenir constamment pour essayer de vous échauffer. Je vais en mettre plusieurs petit à petit. On va pouvoir travailler les pieds, les mains. Enfin bref, il y a une infinité d'échauffements possibles. Il y a plein de choses intéressantes à venir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis de laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.